Salut, c'est Seb. On se retrouve pour la cinquième et dernière manche du championnat d'Earth Rally à la team LSF. Donc, je vous ai pas mis la dernière vidéo de la dernière manche, tout simplement parce que j'ai fait de la merde. J'ai en fait, me suis pris très 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 tardivement pour faire la manche. Il devait me rester 3 ou 4 heures avant la clôture de la manche. Donc, bon, j'étais explosé. Bref, je vous passe les détails. J'ai fait du brin, malheureusement. Enfin, malheureusement. Ça m'a fait descendre dans le classement, mais à aujourd'hui, avant cette manche-là, cette ultime manche, je suis, que je dis pas de bêtises, 15e. Donc 15e sur à peu près 58, sachant que tout le monde n'a pas fait de toutes les manches. Bon, sans entraînement, sans reconnaissance, je trouve ça pas trop mal, on va dire. Donc je m'en tire honorablement. Alors on va continuer. Hop, avec la petite polo. En espérant que tout se passe bien pour essayer de ne pas descendre encore plus. Allez. 5, 4, 3, 2, 1, go. Gauche 460. Droite 320. Sur gauche 2 sourds. Et droite 4. Sur gauche 1. Sur droite 3 longs. Ça sent que j'ai pas retouché à l'Earth Rally depuis la dernière manche, donc on va y aller doucement. Sur 3, 6. Comme Sur d'hab. gauche 2, c'est Milan. Sur gauche 160. Droite 5, continue sur 80, ferme sur 1,60. Ça glisse énormément. Gauche 1, 1. Et droite 2, continue sur 100. Sur crête. Sur gauche, 1, ferme. Sur droite, 1, semi-long. Sur épingle ouverte, gauche. 60. Droite, 2, s'ouvre et ferme sur épingle ouverte, gauche. Droite, 2, long. Sur gauche de long. Sur droite 5. Sur gauche 2 semi-long. 40. Droite 3 sur gauche 150 sur crête. Alors ce que je me pouvais aussi, outre le fait de ne pas perdre trop de temps et que ça m'occupe à autre chose, on peut s'inscrire au championnat Team SF sur Dirt, il n'y a aucun souci, bien évidemment. Si on s'entraîne pas, si on fait pas de reconnaissance, on peut pas être dans les premiers, hein, ça c'est une évidence. Mais bon, vous voyez, je suis 15e. Vous avez vu, je cherche un peu le frein à main. Donc n'hésitez pas à rejoindre pour la prochaine. Pour la prochaine. Le prochain championnat. Gauche 5 sur long crête, 130 crête. Droite 3 long. Et gauche 3 semi-long sur crête, sur droite 2 sur attention gauche 300 coupé. Sur droite 1 gauche 6 sur crête, gauche 1 semi-long. Et droite 2 long. Sur gauche 1 sur 40. Attention droite 4, nul à la sortie, crève 100. Attention ligne droite sur droite 3. Épingle gauche immédiate. Droite 6 sur crève. Gauche 6 crève. Attention gauche 5 sur épingle droite ferme.
Allez, c'est pas trop mal ça. Je serais même tenté de dire que c'est bien. Allez, on se retrouve à la suivante. C'est quand même vachement bien le rendu, changement d'adhérence. Et ça surprend aussi. C'est ça, dès que tu vois une ligne droite, comme un con, tu veux aller à fond. En tout cas plus vite. Et ça te fait perdre plus de temps que si tu y allais doucement. Donc, Gracias.
Ça va, il n'y a pas trop pour l'instant de gros pièges. Il n'y a pas de con qui a mis de pierre ou quoi que ce soit sur le côté. Sur droite, 6 longs sur crête. Et attention, gauche 5 sur crête. Sur droite, 3 de Mika et 3 de Mika. Sur gauche, 2 longs sur crête. Sur longue crête. Gauche 4 sur gauche 6. Et droite 4 semi-longs. Sur attention, droite 3 longs sur crête. Sur gauche 3 sourds et épargne de gauche. Sur droite 3 longs descente. Sur attention gauche 4 longs sur épargne de droite. 40 sur crête. Droite 4 sur gauche 4 semi-longs. Sur droite 5 sur crête ferme sur 3. Sur gauche 3. Sur attention droite 6 épargne de gauche immédiate. Sur crête. Et gauche 2. Sur droite 5. Ouais, j'ai vu tard celui-là. Et attention, gauche 4. Sur longue épargne droite. Et crête. Gauche 3 sur 36. Sur gauche 5, longue crête 40. Gauche 6. Droite 1, moitié jonction. Sur gauche, en crête. Droite 6, 80 sur crête. Droite 4 longs. Sur droite 3, fermant. Sur gauche 1, semi-long, serré en gauche sur crête. Droite 4, confirme. Allez, on est bientôt à la fin. Sur gauche 4. Sur droite 2 sur crête. Sur gauche 1, 150 sur AFB. Pas trop mal là. Yes. Faut vraiment avoir des yeux de lynx. Hein. Il y a plein de rois où en fait ça passe, je vais pas dire à fond, mais beaucoup plus rapidement que ce que je fais là. L'idéal quand tu connais pas, c'est quand tu as des intersections. Ça c'est top. Attention, bosse sur gauche, 4 fermes sur 3 sur crête, en hauteur négative. Droite 2 semi-long. Ouais, gauche 3 sur 60 sur longue crête. Droite 5, 80 crête. Gauche 4 fermes sur crête, 60 sur bosse. Droite
580 dans le centre. Prudence, droite 4 sur 13 sourd et continue sur 80. Gauche 5 sur saut. Droite 5 sur droite 5 corps. Droite 5 long continue sur bosse et gauche 5 40. Grosse bosse. Droite 5 long 40. Bosse descente. Droite 4 sur crête, bosse 60 sur bosse. Gauche 5 long continue sur crête, possible saut 40. Sur arrivée. Ouais, pas mal ça. Lentement mais sûrement. Allez, dernière étape de cette cinquième manche du championnat. Allez, longue spéciale de nuit. Gauche 4 sur bosse. Gauche 3 long s'ouvre sur crête 60. Droite 2 semi-long. Gauche 4 80. Droite 3 sur crête bosse 60. Droite 5 80. Droite 4 sans couper. Gauche 6 sans couper. Droite 5 long. Attention, crête 40. Droite 3 sur épingle ouverte gauche. Droite 3 sur crête 40. Gauche 5 sur bosse 40. Droite 3 semi-long sur crête. Gauche 6. Droite ceiling, droite sur 100. Gauche 4 long descente 5 sur 300. Gauche 3. Droite 5 5 sur 3. Crête bosse 40. Gauche 4 long 60 sur bosse. Droite filant 5 sur 4 sur bosse, 40 400 après version. Gauche 4 continue sur 80 et ferme sur saut. 150 sur bosse. Droite 5 long sur crête. Attention serré à gauche sur saut. 130 bosse pour 40. Gauche 5 sur bosse ralentissement 40. Attention, gauche 4 long s'ouvre et ferme sur 3 sans couper. Droite 4 sans couper, 130. Gauche 4 après long sur 100. Avec pas d'erreur, c'est le principal. Attention, freinage avant la maison, virage à 90 degrés à 3,60 après jonction. Et 3 à partir d'ici. Droite 4 long. Serré à gauche sur longue crête. Droite 6, 80. Gauche 6 semi-long sur bosse sans couper. Droite 6 sans couper, bosse. Gauche 6. Droite 5 sans couper. Attention, gauche 6 sur saut en 2 verres négatifs. Petit saut. Gauche 6 sur bosse et droite 6. Gauche 6 sur longue crête, 80 sur bosse. Droite 6 long sur bosse. Gauche 6 sur bosse, continue sur 80, ligne droite sur 80. Gauche 5 sur bosse. Attention, 60 freinage crête sur droite 3 sans couper. 40 gauche 3 long, 60 crête. Droite 4 dans le centre. 130 sur petite crête. Gauche 5 long sans couper. Prudence 60 droite 3 sur crête. Continue sur crête 60 sur petite crête. Gauche 6. Ouf. Avertissement. Gauche 4 semi-long sur crête 80. Prudence crête 33 dans descente 4 sur 20. Gauche 4 semi-long sur bosse. Gauche 4, droite 2 s'ouvre sur crête. Gauche 5 long ferme sur 3. Droite 4 semi-long. Gauche 1 s'ouvre et ferme sur droite 3 60. Crête possible saut 60. Droite 5 long sur crête bosse. Attention 60, serré à droite sur crête bosse 40. Gauche 6 60. Droite 5 semi long sur grosse bosse 60.
gauche 6 et crête possible saut 60 sur bosse. Gauche 5 long continue sur crête bosse 40. Droite 3 long après jonction ferme. Gauche 6, droite 5 long crête bosse. Gauche 6 ligne droite dans le sens. Gauche 4 40. Attention gauche 5 long s'ouvre sur crête saut. Droite 4 semi long crête. Désolé, je parle pas, je suis quasi en apnée. Droite 3 sur bosse 60. Attention, gauche 4 sur crête, saut sur 80. Gauche 4, continue sur 80 et crête. Droite 3 sur gauche 2, long bosse. C'est quand même plus simple quand t'as les yeux ouverts et que t'es pas fatigué. Droite 3 serré sans couper sur crête, saut. Plus j'ai pas eu de chance sur la dernière manche, la quatrième. Il y a eu une mise à jour, je crois, d'ailleurs, je sais pas quoi. En fait, l'affectation des touches a changé et je n'avais plus la marche arrière. Autant vous dire, j'ai cherché pendant un moment et en plein jeu, j'ai dû réaffecter les touches. Heureusement qu'on peut. Donc j'ai perdu énormément de temps. Gauche 3 sur bosse. Gauche 3 semi-long. Droite 3. Gauche 6. Serré en droite sur crête bosse 60. Attention, bosse sur gauche 4 ferme sur 3. Allez, plus qu'un tronçon après. Droite 2 semi-long. Gauche et on 3, est bon. 60 sur long crête. Droite 5, 80 30. Gauche 4 ferme sur crête 60 sur bosse. Droite 5 80 dans le sens. Doucement, doucement. Prudence droite 4 sur crête s'ouvre et continue sur 80. Gauche 5 sur 100. Droite 5 sur droite 5 corps. Droite 5 long continue sur bosse et gauche 5 40. Grosse bosse. Droite 5 long 40. Bosse descente. Droite 4 sur crête, bosse 60 sur bosse. Gauche 5 long, continue sur crête, possible saut 40. Sur un bébé. Youhou. On en termine. Bon, je pense qu'on est pas trop mal. Je suis pas trop mal sorti. Il reste encore 3 jours, mais bon. C'est pas mauvais. Bon, on se retrouve pour le résumé plus ou moins de cette manche et du championnat qui va ensemble le classement. Et voilà, donc comme prévu, on se retrouve pour le petit bilan en fait de ce championnat sur Dirt à la team LSF. Donc déjà, merci pour l'organisation, puisque c'est vrai que si j'ai pas l'occasion d'avoir un petit championnat, je roule que très rarement sur Dirt. Je fais rarement de sessions comme ça sans vraiment d'intérêt. Donc là, on retrouve le classement après les 5 épreuves. Donc Alex, bravo à lui, hein, il termine premier avec quand même pas mal de points en ayant fait toutes les courses. On voit qu'il a 50 sur 4 des événements, 4 manches. Ensuite, on a 775, Linking War ou Coco Boy, Titom 5e, Pierre-Yves 6e, Titom 5e devant Pierre-Yves à 1 point, et Pilgrim derrière 183 à 2 points de Pierre-Yves. Moi, donc comme je vous l'ai dit, je me retrouve ici 12e à 151 points. Donc je répète, comme j'avais dit, en fait sans entraînement, sans reconnaissance, je trouve ça pas si mal. Le principal, c'était de m'amuser. Mais bon, résultat, je pense plus ou moins quand même correct, puisque je pense que toute participation confondue, on devait être à peu près 55, même plus, je sais plus, non, ça devait être 65, non, 65. Bien évidemment, tout le monde n'a pas fait les 4 manches, ça, c'est inévitable, sinon je serais bien en dessous, je pense. Ouais, donc voilà. En fait, donc, pour confirmer ce que je vous ai dit pendant la vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire. Même si vous vous entraînez pas, au moins l'avantage de une, c'est que vous allez taper personne. Mais à part vous mettre au tas ou dans le ravin, ça va gêner personne de ne pas avoir d'entraînement. Et ça permet de varier les plaisirs, parce que les manches et les événements sont quand même assez bien fichus. Ça permet de varier les surfaces, le climat, enfin bref, l'heure de la journée où ça se déroule. Voilà, donc en gros, je ne peux que vous conseiller de vous inscrire pour le prochain. Il y aura certainement également Dirt Rally 2 qui va sortir, il y aura certainement également des manches dessus. Voilà, en tout cas, je vous dis à la prochaine, à plus, salut!